Cheikh Ibrahim Fahm. Bonjour. Mais bonjour, bien prononcé. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Je me suis entraînée à force, hein. Mais c'est cher. Voilà. Ah bah oui, les chèques, c'est plus tard. C'est ça. Quand on est payé après la promo. C'est ça. Ouais. Du coup, en parlant de ta promo, ça me fait l'enchaînement direct. Tu reviens d'une super tournée de promotion de ton premier album international, Peace in Africa. Ça parle de soi. Il est sorti là, le 11 mars 2022. Mmh. Ici dans le Médoc, c'est comme un retour à la maison pour toi. Ben c'est ça, parce que déjà tout simplement, la maison mère, je peux dire, le label qui supporte mon album, se trouve ici dans le Médoc. Soulbeat Music. Le Soulbeat Music. Donc quand on sort l'album avec le Soulbeat et qu'on fait le tour du monde, je peux dire, et que là, on se produit sur la belle scène du reggae sans ska, ça joue beaucoup. C'est quelque chose pour nous. Ça te fait quoi comme effet? Ça me fait l'effet de savoir que tu joues sur la même scène où c'est produit Tekenja Fakoli, Alpha Blondie. Quand même, c'est quelque grand, chose, quoi. Bien sûr. C'est quelque chose. Et puis, le reggae sans ska est connu d'avoir tout le temps un très beau public. Et oui, et puis du coup, tu parlais de Soulbeat Music. Comment elle s'est faite la connexion avec Fred Lachaise? Avec Fred Lachaise, ça s'est fait de façon très spontanée. C'était durant Covid où vraiment les labels n'osaient plus signer d'artistes. Et moi, j'arrive, j'envoie des démos. Le gars, il est là. Il avait plus de recul par contre. Ouais. Parce que c'était le moment de réfléchir sur quel projet entreprendre dans l'avenir. Et peut-être c'était le bon moment aussi. Et oui. Donc, et puis Fred, il a écouté ma musique première fois. Il m'a écrit. Il m'a dit, j'aimerais en savoir plus. Et là, j'ai dit, I got this man. Oui, et du coup, tu connaissais le Médoc ou pas? Le Médoc, juste de passage, mais pas vraiment. Eh oui. Je ne connaissais pas vraiment. Maintenant, c'est comme si c'était ta maison. Ah ouais, là, c'est la maison, c'est sûr. C'est cool. Quel a été le retour du public, du coup, sur cet album que tu promotionnes encore? Voilà, en fait, quand tu sors un album, le retour, ça, c'est... Il n'y a pas de date limite en fait en termes de retour. De jour en jour, il y a des personnes qui adhèrent à l'album. Des fois même tu peux sortir même d'autres albums après et que les gens ils restent et sont toujours scotchés, concentrés sur le précédent album. Ouais. Mais là quand même en termes de retour, on est très très content, très positif. Ouais. Franchement ça nous fait plaisir du moment où tu joues même des morceaux sur scène et qu'il y a un nouveau public qui ne te connaissait pas, qui te découvre et qui adhère en fait. Et qui chante tes chansons. Et qui chante tes chansons, donc c'est pas évident. Et ça nous fait vraiment plaisir. Ah ouais, du coup avec la température là, tu as pu voir leur réaction. Quel est leur titre préféré? Ce serait pas The Future par hasard? The Future, ça bouge. Déjà The Future, même si tu ne connais pas déjà les paroles, tu bouges parce que c'est l'Afrique, c'est le rythme en fait. Et le rythme, ça te contrôle toi-même, tu réfléchis plus. Ça nous emporte, on va loin. Ça t'emporte, voilà, tu réfléchis plus. Donc du coup, The Future, Aïtaria aussi, ouais. Ça bouge beaucoup. Et la chanson que j'ai faite avec mon Calamity, elle est excellente sur scène. Ouais. Elle a beaucoup donné aujourd'hui, je suis très content. Elle a beaucoup de prestance, cette femme à côté de toi aussi. Elle est radieuse, mon Calamity. Ouais, vous faisiez un super duo sur scène, c'était très joli. On était beau sur scène, c'est sûr. Ouais. 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 La pop dans ta musique, elle se distingue des sons traditionnels et il semble que tu aies trouvé ta voix. Pourrait-on te voir dans d'autres styles? Moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis produit sur le festival Reggae Sans Ska avec une chanson reggae. C'est sûr que le public, quand j'ai commencé avec le style très pop, il se disait, ok, d'accord, lui, c'est un chanteur qui est membre de l'orchestre Baobab, qui est dans d'autres registres. Mais plus j'avance sur la musique que j'ai jouée sur scène, quand j'ai amené la musique Jom, c'était du reggae et je l'ai chanté comme un vrai reggae man, en fait. Bien sûr. Parce que j'ai une bonne formation de musique. Aujourd'hui, je peux faire toutes sortes de styles, je peux dire. Donc, selon mes envies, j'évolue en fait. Et du coup, c'était une envie de te diriger vers la pop tout de suite? Ou comment ça s'est passé, cette direction-là? J'ai remarqué qu'avant, les mélomanes dirigeaient l'artiste. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des mélomanes de reggae, des mélomanes de rap, des mélomanes de pop, des mélomanes de soul music. Mais maintenant, aujourd'hui, les mélomanes, ils écoutent un peu de tout. Bien sûr. La personne, il va mettre un peu de reggae, après il va enlever, il va mettre du hip-hop. Donc je me suis dit, je vais faire un album qui va toucher à tout le monde. Eh oui. Mm. Mais tu as quand même des influences. L'influence est très world music. World music. Et quand je dis world music, ça veut dire que je vais toujours mixer des instruments traditionnels de chez nous en Afrique. Mm-hmm. Mais vu que je voyage beaucoup et la musique est faite vraiment pour partager à travers le monde. Mm-hmm. Et donc il va falloir mettre des instruments classiques qui peuvent venir de n'importe où, en Europe, États-Unis ou Asie. Et que ce soit plus easy de reproduire ça sur scène.
Voilà, c'est ça. Et puis, il y a des normes à respecter. Si c'est des instruments traditionnels qui n'ont pas été traités avant dans des normes, vraiment, et donc il va falloir ne pas en faire la base de la musique, mais tu vas rajouter avec une musique déjà connue. Bien sûr. Déjà connue, ouais. Que les gens ils comprennent bien. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure donc, de Tiken Jafakoli, entre autres. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, on serait encore puni en Afrique de jouer de la musique si on n'en avait pas le droit? Je pense non. Non. Franchement. Les esprits sont beaucoup plus ouverts. Parce que si tu vois par exemple des artistes qui sont en prison et qui composent et qui sortent leur musique, il suffit juste d'avoir Internet. Même si tu n'as pas Internet, tu donnes à une personne qui a Internet, il partage. Bien sûr. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette restriction qu'il y avait avant. Je ne pense pas. On ne peut pas renier quelqu'un parce qu'il fait de la musique. On ne peut pas. Oui. Je pense que tout le monde est libre de faire de la musique maintenant. Ouais. Carrément. Et alors cette promo, comment tu l'as vécue? Tous ces voyages fatigants. Fatigant, la va casser. Beaucoup de. Parce qu'en fait, il faut savoir que je mélange en fait deux carrières. Je suis en même temps Chérie Brave Femme de ma carrière solo et en même temps maman de l'orchestre Babab. Ben oui. Par exemple, j'étais en tournée au Canada et après je suis parti avec l'orchestre Babab. J'ai pris l'avion ce matin pour venir jouer parce que hier j'ai joué à Jérusalem. Ouais. J'ai joué à Manchester. J'ai vu ça sur tes réseaux sociaux hier. Tu as joué à Manchester. J'ai bien planté là. Il y avait du monde et c'était. Ça n'a rien à voir Jérusalem et Manchester. Mais bon, bref. Donc hier j'étais à Manchester et j'ai pris l'avion. J'ai pas fermé l'œil jusqu'à présent, franchement. D'accord. J'ai pris l'avion le matin très tôt pour venir jouer ici et le matin très tôt demain je dois partir parce qu'on joue à Londres. D'accord. Donc avec l'orchestre. Avec Baobab. Donc j'essaye de concilier les deux. Ouais. Voilà, de m'asseoir sur une même chaise. Alors c'est pas facile, mais en même temps ça me fait plaisir. Et oui. Et comment du coup réagit l'orchestre dont tu es le chanteur? Comment ils réagissent par rapport à ta carrière solo? Ils sont très contents de me voir vraiment porter aujourd'hui le drapeau du Sénégal parce qu'ils se disent que aujourd'hui en fait. L'expérience que j'ai acquise à travers l'orchestre Baobab et même la couleur musicale, ils se disent que ça, c'est vraiment. C'est Baobab, en fait, mon école. Ah oui, tu les représentes. Donc, ils sont très fiers de me voir aujourd'hui sur. Voilà, un peu partout dans le monde, ils sont très fiers, très contents. Mais juste que si, ils ont besoin de moi. Donc, il faut garder la voix. Bien sûr. Être très sérieux. Après les concerts, on dort. On ne fait pas la fête, vous gardez la voix parce qu'on est très occupé en fait. Mais oui, et puis ta voix, ça se travaille. On est très occupé. Tu prends des cours de chant toujours, tu travailles ta voix. La voix, j'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans. Même si je ne suis pas vieux, je ne suis pas aussi un jeune. Donc je peux dire que là, je travaille la voix à travers. À travers ma musique, à travers la continuité avec l'orchestre, des scènes et tout. Mais je travaille plus des instruments. Et puis tu es quelqu'un de discipliné, ça se voit dans ton jeu, dans ce que tu fais. On essaye. Oui, tu essayes d'être discipliné de plus en plus. On essaye de montrer que parce que même si on joue du saxo, de la guitare, violon et tout ça, mais notre voix vraiment est notre premier instrument. Ouais. Et on essaye de jouer avec notre voix. Bien sûr. Puisqu'en fait, on veut qu'à chaque fois qu'on joue de notre musique, le public va dire, en tout cas, le gars chante bien. Ouais. C'est ça en fait le truc qu'on va avoir dans notre À partir du moment où c'est mélodieux et que ta voix passe sur la musique, c'est que c'est réussi. Et si tu es fier de toi, c'est le meilleur. C'est ce que j'ai dit à mes musiciens. J'ai dit, moi, ce qui me concerne, c'est ma voix. Je ferai tout pour qu'on dise. Le gars il chante bien. Maintenant, ils peuvent dire le gars il chante bien, mais le pianiste il n'est pas bon. Et oui, et du mais coup, là, quand elle est fatiguée, ta voix, voilà. Tu la soignes comment? Juste dormir. Dormir, pas de miel, pas de lait chaud. Ça c'est bien pour réchauffer la voix, mais dormir c'est meilleur. C'est le mieux, reposer les cordes vocales. Dormir, quand tu dors, ça renaît. Puis quand tu dors, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, et puis ça repose vraiment la voix. Oui, il y a des très grands actrices, quand ils font des tournées, ils ne font que dormir. C'est ça. Il y a un moment où tu es jeune, tu dis après les concerts, tu fais la fête, tu te montres, c'est moi qui suis sur la scène, les gens sont là autour de toi, mais ça fatigue la voix. Parce tu casses les cordes vocales, parce bien que sûr. Tu cries. Il y a des moments où tout le monde parle, il y a beaucoup de bruit, tu pars en boîte ou en club, pareil, donc il faut vraiment reposer la voix. Ça s'entretient avec le sommeil. Bon conseil. C'est vrai. Bon conseil. Est-ce que tu as une anecdote de voyage à nous raconter du coup sur cette promo? Sur cette promo,
On a fait pas mal de voyages. J'ai été récemment à Calgary au Canada. Ouais. C'était très marrant. Je suis arrivé, c'était comme si j'étais chez les cowboys. Donc après, on m'a dit que Calgary, c'est le Texas de Canada. Ouais. Et je me suis dit, peut-être qu'ils m'ont choisi parce que j'avais un chapeau. Le cowboy, ils ont dit, ah, lui, c'est l'Africain qui nous ressemble le plus. Mais bon. La représentation. Voilà. Mais bon, c'était bien. C'est un concert que j'ai vraiment kiffé. Je ne m'attendais pas à ça parce que là-bas, les concerts, quand, quand les gens ils font leur concert, ils sont assis souvent. Ouais. Et moi, j'ai réussi à les faire danser. Ah, excellent. Donc, ils étaient plus assis. Ils étaient ouverts. Ils ont enlevé leurs chaises. Ils ont dit, on va pas s'asseoir. Ah, génial. Donc, après chaque chanson, ils restaient debout et on enchaînait. Génial. Alors, tous les artistes que j'ai joués là-bas, c'est des artistes folk. Les gens sont assis comme à la plage, en fait. Et j'ai jamais vu ça aussi de toute ma vie. Ils écoutent, ils dansent pas. Ouais, ils sont assis comme la plage avec les serviettes. Alors que toi, tu les as fait danser. Avec les serviettes étalées et tout. Ouais. C'était pour la première fois que je vois ça, je dis non. Ma musique, ça se danse. Parce que la musique, c'est un rythme quand même. Bien sûr. Parce que les plus grands artistes, compositeurs, si tu leur demandes c'est quoi la base de la musique, ils vont commencer par le rythme. Bien sûr. Et le rythme, ça fait bouger l'âme, important. Même plus que le corps, ça fait bouger l'âme. C'est ça, nous transcende. Voilà. Et quand l'âme se manifeste et que ça bouge, c'est comment tu peux t'asseoir? Ben oui, c'est ça. Donc, c'est que si tu arrives à faire lever ton public pour le faire danser, c'est que tu as tout gagné parce que c'est la bonne recette. T'as compris tout. Félicitations. Ben, merci. Ben, carrément. Du coup, là, tu te lances en solo. Qu'est-ce qui a été le déclic pour te lancer en solo? Est-ce que Fred Lachaise fait partie de ce déclic? Ou est-ce que ce sont tes musiciens de l'orchestre Baobab qui t'ont poussé? Avant Baobab, j'avais une carrière solo au Sénégal, sous le nom Freestyle. Je faisais une musique plutôt R&B, soul music. Je ressemblais même à un Américain. Il y a les Sénégalais quand ils m'ont regardé, ah lui c'est un Américain. Tu cherchais ton style à l'époque? Je ne cherchais pas. Tu cherchais pas? J'étais aveuglé par... tu sais, l'Africain souvent, il peut tomber sur beaucoup de pièges. Par exemple, l'Africain peut être un suiveur. Parce que l'Africain, souvent malheureusement, il copie. Ouais. Et c'est ce qui est dommage parce qu'on a une richesse immense, mais on n'a pas des leaders, on n'a pas une bonne politique pour montrer à la nouvelle génération, de leur dire soyez fiers, copiez sur les anciens. Voilà. Donc l'Africain, il suit la mode qui existe en Europe, oui. aux États-Unis, et il suit malheureusement. Et moi, j'étais dans ce piège-là. Un jour, quand j'ai intégré Baobab, j'ai vu les vieux, ils étaient les seuls groupes qui faisait des concerts au niveau international. Et j'ai vu, d'accord, il y a des artistes au niveau national qui étaient connus, mais qui n'arrivaient pas à vendre leur musique à l'échelle internationale. Donc j'ai dit, ok, c'est quoi la différence? Et en intégrant Baobab, ils s'habillent wax, ils s'habillent africain, et l'Européen qui va venir les voir est content, parce qu'il est content de voir l'Afrique dont la représentation, il rêve, bien sûr. Dont il rêve de visiter, et ça les fait... voilà quoi. L'effet de. Voilà que ça fait vibrer le public. Et je me suis dit donc, il n'y a rien de plus prestigieux que ça. Bien sûr. J'ai dit donc, ok. Le nom même d'artiste, avec Fred Lachaise du Sulbis, on a dit on enlève le freestyle. On reste authentique. On marche pieds nus, même si on a des chaussures. Ouais. On maintient cher et brave femme. L'authenticité, c'est important. L'artiste. Et tout en respectant aussi. Ton identité. Voilà, et tout en respectant aussi l'autre qui est à l'extérieur. Moi je suis noir, tout en respectant le blanc, celui qui est jaune, celui qui est marron, whatever. Mais tu amènes ce que tu as, l'autre amène ce qu'il a et on se regroupe. C'est pourquoi j'ai dit dans ma chanson, on se regroupe en fait. Et quand on se regroupe, on est plus on fort. On est un tout. On est un tout. Bien sûr. Il faut un tout pour construire un monde bien en fait. Sûr. Donc c'est ça. Mais si tu es un Africain et que tu oublies l'Afrique, et que tu veux être un Américain, et que l'Américain ne te reconnaît même pas. Mais oui. Donc l'Afrique sera toujours perdue. Il va te rejeter, bien sûr. Il faut pousser haut et fort l'identité africaine. Et, c'est ça qui m'a poussé, même sur scène. J'ai fait tout pour mettre du wax, mettre des trucs vraiment africains. Mais là, tu me vois, je suis habillé moderne. Je peux mettre Louis Vuitton, Gucci et tout. T'es sur scène, tu étais en costume. Voilà, c'est l'artiste qui appartient et c'est toi, l'artiste, à l'Afrique. Ouais. C'est sacrifié vraiment qui veut être. Tu représentes l'Africain, et voilà, bravo, c'est, ouais, c'est clair, c'est très très bon. Le confinement, comme pour beaucoup, est-ce qu'il a changé ta vie
ou tout simplement ta façon de voir les choses, le monde? Il a changé mon poids. Ton poids? Oui, parce que j'ai grossi tu pendant le confinement. Tu as beaucoup mangé? Oui, j'ai mangé beaucoup quand même. Dis-moi qu'il ne mangeait pas beaucoup. Tu mangeais beaucoup toi aussi, j'imagine. Non, parce que j'ai travaillé, moi je ne l'ai pas vu passer le confinement. Ah d'accord. Donc du coup... Toi, tu as été plus... Tu as été maline. Ouais. Donc du coup, moi je mangeais, je faisais pas de sport. J'étais un peu, j'avais pris du poids, mais c'est juste pour rire en fait. Mais ça m'a aidé vraiment à savoir le nom de mon album. Ouais. Piscine Africa. Piscine Africa. Ça m'a aidé à penser sur l'image que je veux vendre, sur les thèmes que je voudrais élaborer dans mon album. Ouais. C'était vraiment des moments de concentration, de perfectionnement aussi. Mm-hmm. J'ai beaucoup travaillé les instruments. Ouais. On était souvent pas en tournée à la maison. J'ai beaucoup travaillé. Malheureusement, il y a des artistes. C'était le contraire. Ils ont lâché. Ils ont perdu espoir. Ils ont vendu même leurs instruments. Bien sûr. Donc voilà. Mais quand on travaille pas, de toute façon, on perd ça et quelque part, on retrouve cette discipline aussi dans laquelle on te reconnaît bien. Merci beaucoup. Merci. Libra femme. Ça fait plaisir de faire ça avec toi. Très bien. Ça fait un moment qu'on se parle et qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. De le faire et je suis très contente moi, aussi. C'est merci pareil, beaucoup. Pareil. Et bonne continuation pour ta promo parce que je sais que ça va continuer encore. Ouais, on va lâcher. On va rien lâcher là. On lâche rien, voilà. Adepte du on lâche rien. Merci beaucoup. Merci à toi. Big up.